maracas. D'accord. Et donc les ouvriers maracas, c'est quoi? Les ouvriers de la musique, c'est une formation ouverte. Là, c'est un groupe qui a commencé avec moi et Mich dans le métro. Et c'est enrichi d'un batteur, d'un bassiste, d'un guitariste, d'un trompettiste. D'accord, donc comment tu qualifierais la musique? En général, tu veux dire? Ouais. L'essentiel. Vital. Et le Soft Air Festival, alors qu'est-ce que ça t'inspire? Eh ben, t'avoue que ça n'a pas encore inspiré une chanson, je ne connaissais pas, mais ça a l'air cool. Hein. On est arrivé là, je ne savais même pas où c'était sur la carte. En roulant, je me suis dit, putain, on est bien dans la campagne. Non, mais je sais pas, on verra. C'est... En tout cas, ça me fait plaisir de venir jouer à la campagne. J'espère qu'il y aura plein de monde. En général, les gens du bled savent faire plus la fête qu'en ville. Donc, en tout cas, avoir le programme, ça m'inspire bien. Jusqu'à 3h du mat, ça finit. Ouais. Puis un peu de confiture et tout, c'est génial. Ouais. Au petit soin. Petit soin. Bon, et les projets pour ton groupe, c'est quoi? Les vacances. Les vacances. Non, peut-être on doit enregistrer un album là pour sortir en mars prochain, mais quand on a posé les congés de octobre à février, je sais pas quand est-ce qu'on va l'enregistrer. C'est vrai, il faut qu'on arrive à l'enregistrer sur la route ou dans l'été là. Mais voilà, l'idée c'est ça quoi, c'est de faire un album sur la route. Voilà. Donc, Soufri Maracas aventurier. Professionnel de la glande, un mouvement perpétuel inversé. Et si tu avais un adjectif pour qualifier ton groupe, ce serait quoi? Branleur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'adjectif qui colle le mieux à tous les gens du groupe. D'accord. Mais avec affection. Hein. Les branleurs, c'est gentil. Les gentils branleurs, quoi. Ouais. Je m'inclus. Hein. Je dis pas. S'il y a une scène que tu voulais faire et que t'as pas encore faite, ce serait laquelle? Le fabuleux festival des îles Cook. L'île du Pacifique. C'est pas de bien, c'est un festival. Ouais, aux îles Cook. Ou sur une île pacifique. Bon, et est-ce que t'étais déjà venu en Aveyron? Ouais. Mais il y a longtemps, on avait fait. En fait, on traversait parce qu'on allait à un festoche, je sais plus où. Et on s'est fait arrêter par les flics. Mais on était 5 dans la voiture. Et en fait, ils ont commencé à nous demander les papiers. On a mis une demi-heure à les trouver dans la poubelle qu'on avait pour voiture, tu vois. Le flic, il était là, il speedait. Il dit, bon, vous avez du feu, les phares sont brûlés, les pneus, ils sont lissés par la carte grise, il est pas assuré. Et on lui fait carte grise. Il nous regarde, il nous fait, ça c'est une passade, c'est pas une passade que vous avez. On lui fait, attends, on cherche un chien. On trouve la carte grise, on lui donne. Il nous dit, bon, c'est bon, bon, je vous mets pas d'amende, mais avec les 100 balles d'amende, là, vous avez changé les pneus, là, je vous amène jusqu'à là-bas. Allez-y, démarrez la bagnole. On essaye de démarrer. Mais la voiture démarrait pas, on le savait, tu vois. On avait pisté qu'il fallait qu'on secoue pour démarrer la voiture, alors on met la clé. Le flic il se tourne et tous dans la bagnole, on commence à secouer comme ça. Et puis on secoue de plus en plus comme des abrutis, tu vois. Le flic il dit, non, rien, j'ouvre la porte, tout le monde fait comme ça à la bagnole. La bagnole elle voulait rien savoir. Finalement il a interrompu la circulation de deux côtés pour qu'on pousse la bagnole, faire demi-tour, pousser, démarrer. Et finalement il nous a pas mis de tôle et on a changé les pneus, mais c'était funky. C'était rigolo. Voilà. Il doit s'en souvenir aussi. Ouais, bah, possible. Non mais il y avait quand même une indulgence parce qu'on était musicien. C'était pas mal. Et sinon, Saint-Af aussi, une fois j'ai fait la fête de la musique à Saint-Afrique. Mais c'est dans l'Aveyron, Saint-Afrique. Et voilà, c'était bien. Tout seul comme un pélo. Et j'ai écrit le peuple à l'œil à Saint-Afrique. Le lendemain. Ouais, c'est tout ce que je connais d'Aveyron. C'est déjà pas mal. Non, je dois en connaître d'autres, mais je m'en souviens plus, tu vois. J'ai dû aller à Rodez un peu.
à Albi, j'ai fait la manche à Albi. Voilà quoi, j'ai fait la manche à Cordes-sur-Ciel, mais c'est pas dans l'Aveyron. Avec une gratte ? Ouais ! Avec une gratte, pour aller. Pendant l'été, j'étais en tente, caché dans un champ, avec ma copine de l'époque, on allait faire les terrasses. J'ai dit, regarde, c'est merveilleux, on a 50 centimes, 2 heures après, on a 40 balles. Donc partir de ça et arriver tête d'affiche au Sauveterre, c'est bah, cool. C'est chouette. C'est chouette. Je suis content d'avoir compris que le pays n'existe pas, qu'ils sont même de quelques nantis, se sont fait un peu les rois, se sont fait un peu les rois. Coutez-moi, moi, tire la sang, coutez-moi, moi, pas. Pas tire la sang, coutez-moi, moi. Pas tire la sang, coutez-moi, sans pique. Hey. Je suis content d'avoir compris qu'avec vos policiers, vos bruits, de votre machin de fond de rue, j'aurais parlé dans le moins de mes amis de la rue, tu le jouais, c'est la grande. Bonne garçon, c'est Marcelin. Coutez-moi, moi, pas. Bah, tiens, le sang, coutez-moi, moi, pas. Bah, tiens, le sang, coutez-moi, moi, pas. Bah, tiens, le sang, coutez-moi.
Merci.